Donc du coup là on peut déjà tous les faire parce qu'on a terminé les grosses pièces de tous les mondes, je pense. Je pense que si on a toutes les grosses pièces de celui-là, on en aura un dernier qui sera ultra dur, j'imagine. C'est souvent comme ça dans les Mario en tout cas. Alors. Il ne l'aurait pas mis en dessous, hein, ce serait un peu dégueulasse, ouais. Bon, j'espère qu'il faut pas se pointer avec des objets spéciaux et tout, parce que je trouve que c'est une mécanique qui est pas très amusante. Ok. J'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose en dessous, là. Merde. Je sais pas comment fallait la jouer sur ce coup-là. Merde. Est-ce qu'il y a un bail de type... Je réfléchis, hein. Ah, je pense pas. Bizarre qu'on ait toujours pas eu de grosses pièces là quand même. Quelle musique incroyable par contre. Ça bouge pas, hein. Oh, celle-là elle a l'air ok en vrai. C'est juste là la synchro me fait un peu chier. Périlleux en arrière. Merci PsyCarts pour ton 9e mois, merci beaucoup. Merci bien, c'est très gentil. Alors j'imagine, alors c'était bien la première pièce, j'imagine qu'il nous refile pas des champis et tout toutes les 3 secondes, donc ça risque d'être un peu la difficulté aussi. Pas facile de gérer les sauts là-dessus. Ça a l'air ok. Enfin ça a l'air ok, ça a pas l'air facile hein, mais... En vrai il y a moyen je pense. Voilà, alors j'aime bien quand les grosses pièces, enfin là en l'occurrence, j'aime bien que les grosses pièces... Ce soit plus des trucs un peu chauds au niveau plateforme, plutôt que des énigmes. Par contre, on en a toujours que 2 là. Hein. C'est normal, parce que le niveau n'est absolument pas fini. Ok. Il n'y a pas de checkpoint donc dans ces niveaux difficiles, on dirait. Oh, elle va nous faire chier, elle. Elle me fait déjà chier, en fait. Parfait. Parfait, c'était l'ordre dans lequel il fallait se faire toucher. Merde. Merde. Je pense pas qu'il y ait quelque chose dans ce tuyau. Ouais. Et le temps, faut faire gaffe aussi, mine de rien, le temps descend assez vite là-dessus. Pas se faire avoir au niveau du temps. Putain, surtout que là, tout reprendre au début, la flemme. Je dis ça et puis je mets 3 plombes. Et en fait, le timing sera toujours chiant en fait. Arr. Oh non, elle va faire chier là. Ok. Oh, le tuyau. Oh, le tuyau bien placé. D'accord. Ok, je visualise le problème. C'est parce que c'est un problème, hein. Il faut appeler ça comme ça. Là, c'est un problème. Ok. On a toutes les grosses pièces. Pas se faire fumer avant la fin. Ok. Le premier niveau full pièce en first try. Mais par contre, je suis très inquiet que le premier niveau ait déjà cette difficulté là. Je vais pas mentir. Je vais pas mentir que le fait que le premier niveau ressemblait à ça, ça ne... Merde. Ils ont pas l'air d'avoir un style qui correspond au niveau... Comment expliquer? Ils ont pas l'air d'avoir un style... Je sais pas comment dire. Le style n'a pas l'air de correspondre à la difficulté. Hop, non, je dis n'importe quoi. C'est pas du tout ça que je voulais dire. Le style n'a pas l'air de correspondre au... C'est tout simple, ça. Ah oui, non, d'accord. Le style n'a pas l'air de correspondre au monde qu'on a parcouru. C'est-à-dire que ça, c'est le 2e niveau. Ça n'a pas l'air de correspondre au monde 2 qui, de mémoire, était le désert, si je dis pas de bêtises.
Voilà, c'est ça que je voulais dire en fait. Désolé, j'avais du mal à chercher mes mots parce que je suis très énervé par ce petit poisson là. Qui peut nous manger tout cru à tout moment. Il n'a pas mangé tout cru. Merci beaucoup Jean Cac pour ton année de sub. Merci, merci. Oui, bon là... Merde. Non, tu te fous de ma gueule là. Voilà. Les chaussettes de l'archiduchesse. Alors, ah oui, bonjour. Oh, ah oui, lui, s'il te mange, je pense que s'il te mange, c'est au revoir Yves, directement. Là, je pense que c'est... Salut mon pote. Direct. Pour moi, là, il n'y a pas de... Ouais, non, il fallait que j'attende. Il fallait être patient. Je peux tenter un truc, là. Merde. Merde. On peut pas le prendre, lui. Ah non, parce que je l'ai mal cassé. Ok. Bon. J'aimerais bien rebondir sur le Koopa, de manière à ne pas... Voilà. Je pense pas, en tout cas, je n'espère pas qu'il y avait... Dans ce tuyau-là, ça m'étonnerait quand même. Ah. Oh, c'est nul. Oh, c'est tout claqué au sol. Pourquoi ils ont fait ça? C'est trop bizarre. Attendez. Prudence et la patience d'un côté dans une stratégie souterraine, ou bien sabre au clair. Merci Coclo Chamel pour ton cinquième mois. Merci d'avoir déclenché le train de la hype, bien sûr. Merci beaucoup. Je suis une grosse merde. C'est louche, ça. Quel intérêt on aurait d'aller là, sinon? Aucun. Ah, attendez, faut peut-être pas faire un truc qu'il aurait fallu faire. Non, d'accord. Ok. Ouais. Bon. Dommage. Je me sens pas trop en sécurité. En vrai, ça va, je suis un peu haut quand même. Mais bon. Pas réussir à l'avoir, l'autre sans déconner là. Allez. Oh! La bonne question, c'est comment cela ne va-t-il pas finir? Ah. Barre-toi. Barre-toi. Je vais tellement crever. L'enrichissement, qu'est-ce qu'il dit Christophe? Il parle d'enrichissement. Attendez, là je viens d'en kill une. Je viens de kill un Koopa gratos, du coup c'est la merde. Oui, c'est la merde. Ouais. Va falloir... Je suis mort. Merci beaucoup pour... Oh super Inata, j'avais pas vu, merci pour les 1100 bits, merci infiniment, c'est très très gentil. Et merci Bibis pour ton 7ème mois aussi, merci beaucoup. Merci pour votre soutien, c'est très très gentil, merci. Désolé, j'étais ultra focus. J'étais ultra focus sur ce niveau. Démarrer un petit Mario là-dessus. Et être con. Sont deux choses qui ne font pas bon ménage. Ce saut périlleux en arrière. Merci Azot pour le Prime, bienvenue dans ton 9ème mois, je vais bien. Toujours un plaisir de te suivre et de te soutenir. Merci, c'est très très gentil. Et merci Antoine pour ton Prime et bienvenue dans ton 6ème mois également. C'est l'occasion de souffler des bougies, c'est aussi l'occasion de s'amuser. Ah merde, c'était là-haut. Ok. Et merci un streamer sur 3, merci beaucoup. Cette interpellation du temps passé pour faire avancer les dossiers d'aujourd'hui, c'est une bonne chose. J'espère que je n'ai oublié personne, je crois que c'est bon. Entendu, être audible. Ah oui, c'est le truc un peu qui est tout double là. Ok, bon déjà, c'est bon à savoir qu'on puisse... C'est quand qu'elle remonte la plateforme, s'il vous plaît? Je me serais pas un peu fait niquer ma plateforme par hasard? Ah bonjour.
Je me suis un peu fait douiller là sur la plateforme hein, quand même. Hein. Bon, j'ai compris en tout cas la dernière pièce. C'est quel niveau du monde 9? Le deuxième, a priori, s'ils sont dans l'ordre. S'ils sont dans l'ordre, c'est le deuxième. Merde. Merci à Nokata d'avoir offert un sub à Charlie. Merci, c'est très gentil. Ouais, faut mieux passer en haut et attendre. Alors à moins qu'il y ait des sorties secrètes dans ces mondes-là, mais je pense pas en vrai. Ça m'étonnerait pas mal. Waouh. J'ai eu chaud là-dessus. J'ai tout perdu là, en faisant ça. Bien. Il va arrêter de nous faire chier, lui, un peu. Mais pas pour longtemps, hein. Je pense qu'il va vite y avoir son remplaçant. Oh, le con. Ça, j'aurais pu m'en passer, hein. Très sincèrement, j'aurais pu m'en passer, ça. Putain de merde. Ah, mais quel enfer! C'est bon. Ok, ça c'est validé. Ça c'est validax. Un peu plus dur que le premier quand même. Mais content d'avoir passé le truc avec les poissons. En vrai. Ok, troisième. Bougez-vous tous les deux. Merci beaucoup, vive les castors, d'avoir offert deux subs. Un à Platypus et un à Desert Stark. Merci beaucoup. Merci. Et s'ils ont mis des trucs dans les nuages en mode il y a des pièces cachées dans les nuages, c'est vraiment un truc de bâtard, je vous le dis. Ouais, d'accord, ok, je vois le genre. Oh merde. Je voulais vérifier qu'il n'y avait pas de grosses pièces ici en vrai. Ah merde, ça les tue pas, ok. Ok, ok. Quel enfer. Je suis mort. Il a l'air dur celui-là. Hein. Il a l'air dur. Pouf. Oui, par contre, oui, effectivement, les vies sur ce niveau-là, ça devrait aller, du coup, en effet. C'est bizarre ce trou, non? Non, en vrai, je pense pas, je pense qu'il est normal. De toute façon, si on trouve rien au début, enfin, s'il nous manque la première pièce, il sera toujours temps de se poser la question. Pour l'instant, on va y aller à la cool. Le bloc poche, je sens qu'il y a un truc où, en fait, il faut le prendre à un endroit en particulier. Enfin, il faut l'utiliser à un endroit en particulier, pardon. Le problème c'est quoi, je suis trop curieux de voir ce genre d'endroit, mais tu te softlock là-dedans. Tu te softlock là-dedans si t'y vas. Oui, je pense que plus on va vite dans ce niveau, plus c'est simple. Hein. J'avais déjà ça en tête, HCZ, t'inquiète pas. Essayez de pas donner trop de conseils, j'essaie vraiment de faire les trucs un peu par moi-même. Mais en vrai, ça me dérange. Là, ce petit conseil ne me dérange pas, hein, vraiment, il n'y a pas de souci. Merci Didi pour ton Prime, bienvenue dans ton quatrième mois d'abonnement. Bon ça va, il est pas très bien caché ce tuyau. Tu n'utilises pas les objets de ton inventaire? C'est vrai que je les utilise très très peu, ouais. Oh c'est marrant la caméra comme ça. Oh, on a un plan vu de loin. C'est un petit labyrinthe. C'est un petit labyrinthe. Le plus court c'est de faire comment? J'en sais rien, c'est un peu pareil en vrai.
Ah, t'es gentil, mais comment je remonte? Ah, je peux remonter par là. Hey, marrant, marrant cette zone secrète, hein. Où on est en tout petit comme ça. La caméra qui fait un très gros dézoom. C'est Mimi, j'aime bien. Ah ouais. Je suis tombé dans le vide. Bon, c'est reparti. Le trampoline, c'est traître, hein, en vrai, là-dessus. Je sais plus où était le tuyau. Ah. Mais je suis trop con, il y avait un tuyau ici depuis le début. Je me suis giga fait chier alors qu'il y avait un tuyau ici. Ah oui, d'accord. Le geste précis. J'espère qu'il n'y avait pas de... Merde. Hein? Quoi? Ah si, c'est peut-être là qu'on... Peut-être là qu'on nous avait on avait fait spawn, bah non. Bah non, parce que sinon... J'ai du mal là, j'ai du mal à piger un truc là, franchement. Mais c'est des bâtards, ils ont pas fait ça. Ah, ils ont fait ça. Oh les salauds. Oh les salauds. Oh les salauds. Eh ben, franchement, c'est pas correct hein, de faire ça. Hein. Sans déconner, quoi. Aucun respect. Bon, le troisième, la troisième, faudrait pas la rater, hein, de préférence. C'est trop tard, je pense. Je pense que je l'ai déjà raté à l'heure actuelle. C'est bon. Maintenant, faut pas mourir et on est bon. Pas mourir inclut de ne pas tomber dans le vide, hein, bien sûr, je le dis au cas où. Oh. Attention à la fin. Donc là, je cherche pas à faire le haut du drapeau, là, c'est en mode juste, je termine, merci, au revoir. Ok, on est bon. On est bon, déjà 3 niveaux. En vrai, on s'est bien débrouillé pour l'instant. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Un peu bâtard la deuxième pièce hein, quand même. J'ai failli ne jamais mettre la main dessus. Hein. Et c'est vraiment chaud de rentrer dans le tuyau comme ça, juste avec des rebonds sur des billes qui bougent n'importe comment. C'est... Et c'est que le troisième niveau. Allez, quatrième. Je joue sur Wii U, hein, Max. C'est top, mais voilà. Oh l'enfer. Oh non, faut pas être petit, non, c'est juste pour la déco qu'ils ont mis ça, j'espère. Ah
Avoir mis des pièces à cet endroit-là, c'est bizarre, non? C'est l'enfer. Non, non, j'ai pas envie de faire du petit Mario là, je préviens direct. Hein. J'ai pas envie de faire du petit Mario actuellement. Ok, cette plateforme, on dirait que c'est une plateforme mouvante, mais peut-être pas en fait. C'est une plateforme mouvante, très bien. Très bien, très bien. Quoi ? Ah, ouais. Merde, ok. Vite, une autre. Bah je peux mourir en fait du coup. Je peux mourir parce que si... En fait il me faut la pièce sinon ça ne sert à rien. Alors c'est niveau de l'enfer. Bah c'est l'enfer, Browncraft, tout va bien. C'est... Voilà, le titre n'est pas mensonger. Ça c'est un champi, hein, ouais. Merde. Ok. En vrai, il y a beaucoup d'objets, donc ça c'est assez plaisant quand même dans ce niveau. Ouais, ben non. Elle est chiante celle-là, elle est vraiment chiante. Merde. Barrez-vous. Pourquoi je voulais absolument la vie? C'est complètement con, ça ne sert à rien. Et là je suis déjà en petit du coup. Ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon pour les affaires. En vrai, heureusement qu'il y a autant de power-up hein, dans un sens. Hein. Heureusement. Merde. Non. Oh, je pensais pas qu'elle allait me tirer dessus, elle. Ah.
Putain, mais à chaque fois que je veux relancer, j'en ai ras le cul. Mais j'en ai ras le cul. Mais putain. Pardon. Tout va bien. Tout va bien. Quel enfer. J'ai envie de crever. J'ai envie de crever. Ce niveau joue avec mes nerfs. Très clairement. Oh. Oh. Ça c'est bien ça. Ça c'est très bon ça. Tu fais quoi là maintenant si je fais ça? Ok, Balek. Quoi? Ah putain. C'est à quel moment que je dois y aller pour pas me faire toucher? Non mais tu vas pas me dire que c'était ça le saut à faire, c'est juste pas possible. Ça peut pas être ça le saut qu'il faut faire. Bon. Dommage d'avoir perdu le truc, mais... Ils auraient mis un truc dans ce tuyau en plus. Ça, franchement, je sais pas. Ouais, fallait peut-être tester tout. Alors, ça je prends, mais je n'utilise pas pour l'instant. Je suis décédé actuellement. Actuellement en train d'être décédé en fait, tout simplement. Ah là là là. Non. Attends. Là. Voilà. Ah oui, là. Hop là. Une marque indélébile. Que d'émotions négatives ou positives. Alors, merci Tommy pour ton 6e mois apparemment. Oui. Merci beaucoup. Alors. Merde.
Ah non, faites-le descendre quand même. Non, faites-le descendre. Merci. Voilà, là, ça va bien descendre. Là, il faut plus compter sur le fait que ça s'arrête de descendre. Donc, on va direct aller là. Je suis allé dans le bon tuyau, là? Oui. Non. Tuyau rouge. Tuyau rouge. Ouais, bah laissez-moi réfléchir un peu, là. Bizarre, quand même, ça. Ouais, ouais, j'y suis allé en mode je pensais que c'était une zone secrète. Ce n'est absolument pas une zone secrète. Du coup, faut le refaire pour avoir la troisième pièce. Mais déjà, on n'a plus à récupérer les autres pièces, ce qui est un vrai avantage, hein, pour le coup. Et on est juste à attendre de laisser voir l'autoscroll continuer et voir ce qui se passe. Et à mon avis, on trouvera. On sait que le tuyau est rouge. Franchement, j'ai plutôt confiance là-dessus. Salut Sauce Samouraï, ça va bien, et toi? Merde, il a pas sauté ce con encore. Salut Damimosa, bonsoir à hein, toutes celles et ceux qui arrivent en cours de route, merci de nous rejoindre. Comme c'est écrit dans le titre, on fait les niveaux difficiles de New Super Mario Bros. Oui. Puis, nous ferons ensuite du Among Us à 20h45 environ. Et après, si je suis pas trop crevé, on terminera ces niveaux-là. Ce qui n'est pas... voilà, peu probable hein, quand même, en vrai. Que je sois pas crevé, là, ça me paraît compliqué. Ce passage est tellement chaud, c'est abusé. Ah oui, donc. Oui, attendez, attendez. Juste voir ça, quand même. Non, ça ne sert à rien, ok. Prévisible. Oh non, c'était pas dans celui-là qu'il fallait monter, quand même. J'ai pas pensé à celui-là. Le rouge, là. Franchement, ce serait bâtard. Mais... il y a plein de trucs où je me pose la question, quand même. Pour moi, il y a plein de possibilités. Là, il y a un tuyau rouge tout en haut, regardez. Ah mais merde, fallait que j'y aille en fait. Ouais, trop tard. Tuyau rouge. Oh, j'ai compris. Oh, j'ai compris. Je pense que j'ai compris. Alors pour moi, ce qu'il faut faire, c'est qu'en gros, en dessous du tuyau rouge qui est à l'horizontale, il y a une plante piranha. Cette plante piranha, faut la geler pour ensuite pouvoir marcher dessus, pour pouvoir rentrer dans le tuyau du dessus. Oh là là, quel enfer! Eh, si c'est ça, franchement, c'est abusé. Mais en vrai, je pense vraiment que c'est ça. Merde, j'ai oublié l'objet. Regarde, il y en a un là. Ah merde, il était là par contre. J'avais tiré une boule, j'avais tiré une boule. J'avais complètement tiré une boule. La boule avait été tirée, je vous le dis. Est-ce que je vais pouvoir être en Mario fleur de feu là? Enfin fleur de glace, pardon. Est-ce qu'on va nous proposer un objet jusqu'à la fin? Je suis pas sûr, hein. Parce que là, du coup, je vais avoir le champi. Déjà, faut pas se faire toucher. Non, il n'y en aura pas ensuite. Je ne crois pas.
Ça me dit rien. Je me rappelle plus de l'enchaînement. Oh, il n'y en aura plus là. Quoi? Bon bah là c'est clair que... En vrai je peux mourir maintenant je pense mais... Merde. Ouais. Si, il y en avait une là, merde. Pour moi c'est ça. Tu vas avoir le truc de glace et après tu montes là-dessus. Ok. On a de quoi se rattraper encore, faudrait éviter de se faire toucher ici, ce qui est pas facile pour le coup. Putain. Ok. Ok. Donc faut vraiment pas se faire toucher sur cette phase là. Mais non! Mais non! Bah non! Bah non, je suis un connard! Quel crétin. Mais quel crétin. Incroyable. C'est bête d'être aussi con quand même. Il va falloir y aller là. Hein.
Félicitations, vous avez toutes les grosses pièces. En récompense, vous allez roter du sang. Ouais, c'est un peu ça. Ok. J'en ai ras le cul de cet endroit. Hop. Bim. Ouais, c'était trop tard, hein, au moment où... ouais. Mais non, faut que je reste avec, je suis con. Il y a encore moyen, il y a encore moyen pour l'instant. Il y a toujours moyen pour l'instant. Le bloc pot, on va bien le laisser là où il est, je pense. Ou alors on l'envoie maintenant, je pense que si on l'envoie maintenant, c'est ok. Bon, ça va rien tuer, donc en vrai, je pense que c'est bon. On est même pas sûr que ce soit ça, hein. Moi je dis que c'est ça, ça se trouve c'est pas ça du tout. Hein. Merde! C'est vraiment les grosses pièces qui débloquent le monde 9 parce qu'il me semble qu'il l'a débloqué avant de trouver les 3 dernières du monde 8. En fait, il me semble, si je dis pas de bêtises, que ça permet à chaque fois de débloquer un... En fait, à chaque fois, ça permet de débloquer un niveau du monde 9. C'est-à-dire qu'en gros, si t'as toutes les pièces du... En gros, je devais avoir accès au monde 9, mais sans le 8ème niveau, je pense. Je pense que ça doit être un truc comme ça, tu vois. Je suis dans la merde. Ok, ça va mieux. On a eu chaud quand même là-dessus. Très sincèrement. Je préfère être totalement franc avec vous, ça a pué un peu. Alors toi... Bien là. Quelle idée. Mais quel truc de connard, quand même. Non mais ça se trouve c'est pas ça, hein. Je le redis, hein, ça se trouve c'est pas ça du tout, hein. C'est pas grave. Maintenant, c'est plus grave. Merci, Monkey. Bonne soirée à toi. En plus, on va se retaper en entier à chaque fois ce niveau d'auto-scroll de mort. C'est quand même terrible.
Tous les speedrunners en PLS sur des niveaux comme ça, effectivement. C'est vrai qu'il faut que je fasse gaffe, j'ai plus beaucoup de vie. Ça, vous avez raison de me le souligner, parce que c'est vrai que... Bon. Ouais, ça c'était obligé. Après, c'est que là, la plateforme, elle est trop haute. En fait, ouais, non, faut monter pendant ce petit. Il y a un micro laps de temps, faudrait peut-être le tenter, mais c'est chaud. J'ai vu Art Twig. C'est un mélange de chance, de hasard, mais aussi de talent et de mental. Merci beaucoup, Daffy Frog, pour ton Prime. Merci. J'avais pas du tout vu cette boule de feu. Incroyable. Merde, on a laissé les deux plantes en vie. J'adore faire ça, c'est mon petit kiff. On s'ennuie, hein, donc on trouve des moyens de s'occuper hein, sur ce niveau. Qui est quand même très long. Allez, on va essayer de l'avoir cette fois. C'est raté. Je suis nul. Mais non, mais elle arrive hors champ, la boule! Alors attention, là, on va me balancer du feu dans la gueule, c'est ça? Non, juste là, voilà, là. Si je vais là, normalement, c'est bon. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Aucun problème. Pas moyen plus simple d'arriver là-haut? Ouais. Ça passe pas au niveau de... Ouais. Quoi? Mais j'ai tiré 14 boules dessus! J'ai tiré 14 boules dessus! Des fois je tirais, ça tirait pas. D'autres fois je sais pas ce qui se passait. Il en fallait 15. C'est tout à fait le monde 9, Eldo, effectivement. Merde.
On peut avoir les deux plans de piranha qui sont sortis en même temps. La rouge elle sort pas parce que je suis... Ouais, c'est bon. Hop là. Quoi ? Oh non, mais sans déconner. Vous y trouverez la oh, je suis en petit. Et des œuvres, mais aussi des leçons. Je suis pas mort encore. Merci Matt pour ton prime, merci beaucoup. Je peux encore être en Mario, Mario boule de glace, normalement. C'est pas encore mort, il y a encore une probabilité, même si ça va être chaud. C'est encore possible. Là, il va être chaud à passer ce passage sans les boules de glace, en vrai, je pense. Attention à la boule de feu, là. D'où je l'ai raté là, sans déconner. Ouais, bon, vas-y, salut. Oui, j'ai des objets stockés si jamais, ouais. Là, en l'occurrence, je vois pas ce que j'en foutrais dans ce monde-là, mais effectivement, j'en ai. Voilà que toutes les cartes sont rebattues. En plein dedans. Merci, Pommy, pour ton quatrième mois, merci beaucoup. C'est encore long après, oui, c'est encore long. Putain, j'en peux plus. J'en ai marre. Sinon, je fais la technique qu'on m'a lâchement backcité dans le chat, hein. Je suis pas sûr que ce soit plus facile en vrai, mais on fait essayer. Bon, déjà, là, j'ai sauté par-dessus. J'ai rebondi sur la bombe qui m'a fait tomber dans le vide. T'as prévu un autre let's play quand t'auras fini celui-là? Non, pas encore. Bah là, je vais... Je me prends quelques jours pour me reposer un peu, donc j'ai pas prévu de trucs. Est un compliment, oui. Merci Emeline D pour les 100 bits. Allez, le trèfle du désespoir qui va finalement transformer tout ça en chance. Merci beaucoup, c'est très gentil. Les trèfles d'Emeline D, on le sait, c'est toujours très efficace. Là, en l'occurrence, on aura la chance de faire plus d'heures de live, puisque je vais rater encore plus. Et du coup, Jeff Bezos va me payer mes heures, et donc... C'est en ça qu'on a beaucoup de chance avec ces trèfles-là. Mais on sait que ça a toujours été une source sûre hein, pour être sûr qu'on va galérer encore un bon moment. C'est un classique.
Jeff Bezos, quel grand homme quand même, bien sûr. Bien sûr. Salut Boy Atmosphère. Ou alors fallait rentrer dans ce tuyau là. Hein. Ça c'est toujours une possibilité aussi. Hein. Ou alors les deux fonctionnent. Putain, je me demande s'il fallait pas rentrer dans ce tuyau là quand même. Ça me paraît beaucoup plus clair. Enfin, ça me paraît beaucoup plus probable en vrai. Voilà, donc là, je fais la technique qu'on m'a backcité dans le chat, de freeze la fleur une fois être arrivé sur le tuyau rouge. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et ce que vous pensez des gens qui font du backseat en général. On a réussi. Et c'était bien ça. Non, putain, c'est pas sérieux. Voilà. Vraiment très fier d'avoir trouvé ça de moi-même. Hein. C'est vraiment, j'ai eu cette idée. Je me suis dit, c'est pas mal. Ouais, Mindé, t'avais raison. Bien joué pour le trèfle. Mais j'ai dû utiliser une technique qu'on m'avait soufflée. Malheureusement, je l'ai pas trouvée moi-même. Rémi, Pierre, Amanda et tous les autres, toutes ces jeunes filles, tous ces jeunes gens. Merci Notech pour ton raid. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci, bienvenue. Et c'est parti pour le cinquième. On a le temps, un cinquième. Ouais, on a le temps, un cinquième. Par contre, Todd, on va pas le sauver du tout. Tu disais que tu ne voulais pas de backseat. Oui, c'était... Oui, c'est vrai. Je ne veux pas de backseat. En vrai. En vrai, je n'en veux pas. Mais il y a des gens, même si je le dis, ils en font quand même, malheureusement. Ok. Ouf. Merde. Ouais, Todd, c'est ça, on compte sur nous. T'inquiète, on va te sauver, mec. T'inquiète, on va complètement te sauver, hein, vraiment, parce qu'on t'adore. Merde, ok. Ah, ça les tue pas, ok. Ils auraient mis un truc au-dessus du tuyau, là? Non. Il est sympa, ce petit niveau. Du Mimi? Merde. Quel enfer. Aucune difficulté. Et attends. Ok. Oh les foods. Non, ça j'aime moins déjà. Ok. Ah là, on propose un objet comme ça. Si c'est pas obligatoire, ne le prenons pas. Hein. Ah, c'est marrant ça. Je vais voir si ça marche de faire ça. Curiosité personnelle. Ok, oui, donc oui. Oui. Merde. Ah, c'est bête quand même. C'est quand même très bête, hein. Je sais pas si on a une occasion de récupérer un autre objet. Ça, c'en est un? Oui, d'accord, ok, bon.
Mais putain, pourquoi il a glissé là? Ça par contre, c'est pas normal ça. Ça m'énerve. Franchement, on était tellement easy dessus là, je suis dégoûté. Oh. OK. Super. Alors, les pièces, du coup. Merde. Ok. On a re-récupéré l'objet. Merde, mais il va pas rester indéfiniment gelé, l'autre con. Ouais, là, ça va être un peu juste. Hein. Ouais, il est déjà dégelé. Ok. Bon, à ce niveau-là, ça va. T'as raté 4 niveaux, 5 en comptant celui-là, Rimu. Piège à con, ça, hein. Ça va. Ok. Va évidemment rester moisir ici, hein, évidemment. Bon, ce sera peut-être le dernier. Tout dépend du temps qu'on va mettre à le faire. Oh, cool. Ah, pas cool. Je redonnerai le cast de Among Us après. Mais grosso modo avec à peu près la même team que d'habitude, hein. Un peu comme tous les mardis. Il y aura pas de DFG qui est en vacances. Mais sinon, on est sur des participants que vous connaissez pour la plupart, bien sûr. J'en ai rien à foutre. C'est bien simple, je m'en fous. Quelle merde, lui! Mais vous avez vu l'endroit où il se pointe, celui-là? Genre, il fait pas exprès. Enfin, évidemment que si, il fait exprès. C'est un ennemi, ok, c'est le but, ok. Mais bon, quand même. C'est abusé, un peu. Ouais. Bon. Eh, toi, tu dégages cette fois, c'est bon, hein. Une fois, pas deux. Hein. On va d'abord essayer de tuer lui. Voilà. Merde, d'accord, je savais pas. Trop tard, évidemment. Ah d'accord, je comprenais pas le timing de cette plateforme. On peut les tuer avec du feu alors qu'ils crachent du feu, c'est complètement con. J'ai besoin de comprendre un peu le timing des plateformes là quand même. Donc celle-là elle fait tac, ensuite elle fait tac, et ensuite elle est récupérée.
Pardon. Ah. Faut qu'on fasse gaffe parce qu'on est un peu court au niveau des vies. Un peu chaud là. Ah oui, non mais on en avait rien à foutre, je me souviens. J'ai complètement sauté, mais ce jeu ment. J'aime pas les jeux qui mentent. Bah oui, du coup on n'a pas la fleur, oui bien sûr. Quelle arnaque des fois quand même. C'est fou ça. Ah oui, c'est là que je m'étais fait avoir tout à l'heure. Elle est vraiment petite la plateforme hein, quand même. Ah, il faut revenir après. Ah les bâtards. Ah les bâtards. Quoi ? Ok. Non, le timing de cette plateforme est horrible pour revenir, je pense. Quelle volée de bois vert ! Je ne parle pas du bouquet que reçoit Angela Merkel pour ses 60 ans. Non, je parle de celle que j'ai reçue moi sur mes épaules. Merci beaucoup, Dr. Conice, pour ton abonnement de niveau 2 et bienvenue dans ton 21e mois d'abonnement. Merci beaucoup, c'est très gentil. C'est pas fini. C'est fini. Bon, on a encore le temps d'en faire un. Oh, original. Ah oui, bah oui, parce que je les ai... Ah bah oui, mais j'ai le pire objet en fait. J'ai juste le pire objet. Et eux aussi, les plantes piranha aussi, elles ont le pire objet en fait. Dans un sens, quelque part. C'était pas malin ça. Quoi, non mais c'est quoi la triplette là? Ça existe pas ça la triplette? Hop là. C'est quoi ces trucs? Ah c'est chiant. Mais ça va, c'est des Goombas donc en fait ça va, c'est pas si chiant non plus. J'ai une chance folle depuis tout à l'heure. C'est abusé. J'espère juste que dans un des tuyaux... Fallait pas rentrer dans un des tuyaux. Non, laissez-moi un peu d'espace quand même. Faut quand même que je puisse passer. Quoi ? Quoi ? Non mais en plus, le jeu qui saute pas en plus. Oh, oh là là. C'est quoi ce niveau ? Oh. Thank you.
Là aussi, il faut prendre de l'élan, mais c'est... C'est relou quand faut prendre de l'élan. Et voilà, et c'est vrai qu'il fait des... qu'il fait 12 tirs, lui. J'arrive... Et en fait, faut prendre... Pff, oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. Ça, c'est un niveau qui pourrait être sur Mario Maker 2. Ouais, je suis assez d'accord. Edo. Non, oh, je pensais que ça passait. Bon là j'ai joué un peu sur les frames d'invincibilité, hein. Ça se fait pas trop, mais en même temps ce que nous fait faire le jeu, ça se fait pas trop non plus, donc je trouve qu'il y a une certaine logique en vrai. Je trouve que du coup je culpabilise pas, franchement là je vais pas vous mentir, je culpabilise pas trop. Ah celui-là il est trop, il est placé exprès plus haut pour pas qu'on puisse faire ça en fait. Ce qui est smart en soi, hein, mais... Alors, donc là, moi j'ai besoin que vous tiriez là en vrai. Non, pas là. Non, j'ai besoin que vous tiriez plus... Alors vas-y, tire plus là. Non, non. Non, moi, je veux que vous tiriez plus... Ouais, ouais, encore une fois, allez. Allez, encore une fois. Voilà. Ah, maintenant, faut qu'on... Juste, comment je... Mais en fait, je peux juste pas passer... Putain, ils ont créé des softlocks dans ce jeu, c'est fou, n'empêche. De se dire, ils se sont dit, tiens, on va mettre des softlocks. Ah non, j'ai réussi à passer... Enfin, j'ai réussi à passer, mais je me suis pris un dégât. Oh la suffu, oh le frère, oh, oh le frère Pierrot, oh le frère Pierrot. Merde. Ouais bah lui du coup il a le temps de me fumer. C'est vrai qu'il tire plein de boules lui. En plus, c'est vraiment pas évident si on n'arrive pas avec la boule de feu au bon moment, là. Là, je suis obligé d'attendre. Là, je peux y aller. Là, je peux y aller. Là, je suis obligé de faire en deux coups. Hop, hop. Voilà, donc là, je peux avoir la fleur de feu. Elle était à côté, forcément, je me suis bourré, hein, bien sûr. Merde! J'ai tiré une boule de... Comment je passe, là? Ok. Oui, bah oui, bah oui. Bah salut, hein. Ah oui, d'accord, ok, très bien. En vrai, c'est un peu craqué, mais la solution, c'est de se pointer avec... C'est un peu craqué, mais la solution, c'est de se pointer avec une fleur de glace, en vrai. Ça, c'est... Franchement, tu te pointes avec une fleur de glace, si t'arrives à la conserver, t'es juste le boss. Bon, là, j'ai foiré, là. Ouais. Comment tu récupères la dernière pièce? Pour la dernière pièce, il faut faire des rebonds contre les parois glacées, à condition que tu arrives à y aller avant qu'elle soit glacée. Enfin, avant qu'elle soit dégelée, pardon. Ce qui quand même pose quelques questions de faisabilité, hein. Techniquement faisable, hein, mais dans la réalité des faits, bon, un peu chaud. Bon, celui-là, je me fais tout le temps avoir. Et je vais encore me faire avoir, d'ailleurs, évidemment. Alors, là, cette phase-là, normalement, je la maîtrise à peu près... Tac. Merde. Pas grave. Grave. Non, pas grave. Ça glisse. En même temps... Chut. C'était impossible de passer, c'était juste pas possible. Et c'est trop chiant parce qu'en fait, si vous voulez courir dans le jeu, vous êtes obligé d'utiliser le bouton de le bouton qui sert aussi à tirer les boulasses. Donc ça veut dire ce qu'il faudrait faire, c'est se retourner, puis maintenir le bouton en étant retourné et ensuite partir dans l'autre sens.
Salut. Prévisible. Est-ce qu'on va réussir à tout passer sans rien se prendre? Et là j'ai besoin... Ouais, ouais. Un jour je réussirai, hein, mais pas aujourd'hui. Non, par contre là c'est très chiant. Voilà. Je suis complètement con. Je suis complètement con, vraiment. Complètement débile ce que je viens de faire. Là, je pouvais y aller. Fais-le pour Bezos et son crâne luisant. Ah là, tu sais me motiver, Planeuge. Tu sais comment me motiver. Ok, allez. Voilà. Je vous jure, j'ai pas fait exprès, hein. Mais ça montre quand même bien quelque chose, je pense. Ok, on va dire qu'on le fait plus pour... Ok. Et ben top, j'arrive plus à faire le début. Mais quoi? Pourquoi ça passe plus? J'y arrivais avant. On est en train de perdre toutes nos vies. Putain, c'est vraiment comme avec Bezos.
Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, l'important c'est d'avoir un champi à ce moment-là. Je suis tout en décalé, c'est terrible. Ok. Petite merde. Bon. On n'aura pas le temps de faire le dernier, je pense, hein. On va voir à quoi il ressemble, mais moi j'ai rendez-vous dans 13 minutes. Avec les dingus. Encore de l'autoscroll ! Vas-y, salut. Ah oui, d'accord, c'est des trampolines, ok. Oh, le turbof ! Le turbof ! Bah non, je vais pas prendre ça alors que j'ai déjà le turbof. Le lancer sur des gens. Ok, la première pièce est ok. On va un peu moins s'amuser là, je pense. Oh, le truc de bâtard. Oh, le turbof. Viens là, le turbof. Mais non. Mais mon turbof. Ah. Ah, le mini champi. Mais c'est n'importe quoi. Non. Non. La pièce. Très bon début de ma part. Ok. Mais on a plus le turbof du coup. Ah mais on peut le prendre là. Faut pas tarder par contre. Mais alors ça c'est le turbof nul. Ouais, c'est celui où on c'est de la merde. Putain. Bah oui. Forcément. Bon. Ok. Est-ce que c'est pas plus un ennemi qu'autre chose, le mini champi? Je suis en train de me faire la réflexion là. Ah, putain, c'est vrai. Faut se barrer de là. Et ça sert à quoi là? Ça va juste nous permettre de simplifier la traversée? Ou il y a un autre but?
Ok, pour l'instant... Putain, mais c'est vrai qu'il y a celle-là. Ok, celle-là, je l'ai. Ok. Où? Ok. Ah, ils aiment bien nous mettre du mini champi, hein. Attends, je comprends pas du tout. Ah, je comprends mieux. Ok. Ah oui, bonjour. Ah oui, bonjour. On va les laisser passer, hein. Il y a un truc avec une horloge, ça veut dire quoi? Faut se dépêcher? Ah, au revoir. Non, quelle est la méta? Ouais, c'est bien ça, ouais. Ok. Let's gong. Ah, bonjour. Balek. Hop là! C'est parti! Et voilà! Vous avez trouvé toutes les pièces étoiles du monde 9, cela signifie que vous avez trouvé toutes les pièces étoiles du jeu. Y'a pas de... Alors j'ai une question pour le chat. Donc une question à laquelle vous pouvez répondre. Est-ce que en complétant d'autres trucs pour du 100%, il y a un nouveau niveau qui apparaît? Parce que je sais qu'ils ont mis ça en place, mais c'est peut-être plus tard. Est-ce que on a un autre niveau débloquable si on va sauver tous les Toads ou qu'on fait tel truc, tel truc, tel truc? Ou est-ce que là, on a fait tous les niveaux? Non, car c'est Nintendo. De quoi non, car c'est... Non, il n'y a plus rien. C'est fini, c'est fini. Ok, bon. Bah c'est resté malgré tout un jeu très 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 cool.